1971, qui est la date de ma naissance. Et voici la couleur de trans, hein, ce mauve-violet qui va baigner le public et les musiciens pendant la représentation de trans à la Cité. La création de trans, c'était une création qui était assurée par notre orchestre à Baden-Baden, du temps de mon prédécesseur, Ernest Bourg, qui a été un chef d'orchestre très important dans l'histoire de l'orchestre, qui a créé beaucoup de partitions. Et donc, notre lieu de création à la Südwestrundfunk, c'est Donaueschingen. Le Südwestrundfunk a collaboré avec tous les compositeurs d'avant-garde de la deuxième moitié du XXe siècle et d'aujourd'hui, comme aucun autre orchestre au monde. Hein. On a peut-être le record du nombre de créations, mais le nombre c'est encore une chose, mais surtout la qualité de la création et la qualité des exécutions des créations a toujours été quelque chose de vraiment d'un niveau exceptionnel avec cet orchestre et que j'ai la chance de diriger aujourd'hui, donc depuis 2 ans. C'est quelque chose qui fait partie de la vie de l'orchestre, vraiment, de passer des semaines à travailler avec les compositeurs, depuis Hindemith jusqu'à aujourd'hui à Jörg Widmann ou Marc-André, tous ces compositeurs. J'ai dirigé très peu d'œuvres de Stockhausen et je me réjouis à ce titre, et c'est pour ça que j'ai tout de suite accepté cette opportunité de faire une œuvre de très grande dimension comme Trans, parce que c'est un compositeur qui m'a toujours fasciné. À plusieurs occasions, on m'a proposé de diriger Gruppen par exemple, et puis ça ne s'est jamais fait à cause des agendas. Mais c'est une musique qui me fascine. C'est un personnage, bien évidemment, un musicien qui est une espèce de figure incroyable de la création au XXe siècle. Et donc, je suis très, très heureux de faire ça. C'est aussi une figure qui, quelquefois, peut terroriser un peu les musiciens. Parce que Stockhausen était quelqu'un qui avait une conception tellement précise des œuvres qu'il créait, qu'aujourd'hui, les contingences, les indications sont tellement présentes dans les œuvres que ça pourrait nous terrifier en tant qu'interprète. Mais moi, cette contrainte, elle me fascine et je suis très, très excité de me lancer dans cette aventure. Ce qui est passionnant avec un certain nombre d'œuvres de Stockhausen, dont Trans en particulier, c'est que c'est une œuvre qui n'est pas seulement une œuvre musicale. C'est une œuvre qui est une sorte de dispositif scénique, musical et acoustique et visuel qui a été mis au point par le compositeur. Et ça, c'est quelque chose qui est qu'on a assez souvent dans l'histoire de la musique, par exemple, un compositeur qu'on pourrait mettre proche de Stockhausen dans ce sens-là, c'est Berlioz. Berlioz, il avait une idée aussi très précise de comment il voulait agencer les forces musicales ou théâtrales ou chorégraphiques dans une œuvre qui n'était pas forcément un opéra ou pas forcément une symphonie ou un ballet. Des espèces de d'ovnis un peu théâtraux-musicaux. Et Trans, c'est la même chose. Il y a d'autres œuvres de Stockhausen qui sont pareilles, où il indique exactement la place des musiciens. Donc il y a des musiciens qui vont être derrière moi, surélevés, des musiciens devant moi. Il y a beaucoup d'indications concernant des choses très précises, comme par exemple les couleurs qui doivent être projetées pendant que la musique va être jouée.
etc., etc., aussi bien sûr des indications purement musicales sur la place de l'électronique dans l'œuvre. Donc tout ça est vraiment l'œuvre de Stockhausen, une sorte de dispositif visuel, musical et acoustique sur-organisé voilà, jusqu'à même, donc je disais, la couleur même de la lumière. Donc c'est quelque chose qui est très particulier.